With 16 visits to China over 60 years, he has witnessed the dramatic transformations within the country. Disputing unfounded accusations of new colonialism, he commends the China Africa Cooperation for bringing developmental opportunities to 600 million Africans living without electricity. He expresses gratitude towards the hard work of Chinese builders. And is deeply moved by the significant changes brought about by China's construction of number one national highway in Congo. Leaders Talk brings you an exclusive interview with President Sasu of the Republic of Congo. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm He Yanke. We are currently in the Republic of the Congo, commonly known as Congo Brazzaville, and we are going to have a conversation with President Denise Sassou Nguesso. 60 years ago, in 1964, China and the Congo Brazzaville officially established diplomatic relations. Now, the pragmatic cooperation between these two countries is yielding significant positive outcomes continually benefiting the people of both countries. President Sassou Ngezo has constantly emphasized that the joint construction of the Belt and Road Initiative offers a new model of inclusive development for the world. So what opportunities has the BRI brought to Congo-Brazzaville and what expectations does it harbor for the future of China-Africa cooperation? Let's explore these questions in this dialogue. 萨苏总统您好，非常感谢您接受高端访谈的专访。一九六四年二月二十二号，中国与刚果部建交，今年是两国建交六十周年，两国一直保持着密切友好的关系。您觉得两国友谊历久弥坚的背后是什么样的原因？Les peuples chinois et congolais ont été des peuples écrasés. On peut le dire, dominés, colonisés. Et ces deux peuples ont toujours euh, lutté pour leur libération. Et donc, dans leur aspiration à, à la liberté et au, au développement, ils et, et, et se sont euh, mis ensemble. D'abord, pour se libérer de l'occupation, de la domination, et ensuite pour euh, construire ensemble un, un avenir de paix, de liberté et de développement. C'est ce que nous avons décidé de faire euh, depuis 1964. Donc voilà deux peuples euh, qui ont les mêmes objectifs. 我注意到啊，您今天特意是佩戴了一个中刚建交六十周年的徽章，佩戴这样一个徽章，是不是也表示您觉得这样一个日子是特别值得纪念的？oui、euh, et ceci est véritablement un symbole. Et de, de lutte commune, de vie commune avec les hauts et les bas. Et 60 ans après, et à titre personnel, et je peux me souvenir de ce que, en septembre 1964, je faisais partie de la toute... Euh, première délégation congolaise qui s'est rendue en Chine. Nous étions six et les compagnies aériennes euh, de l'Occident ne euh, se rendaient pas en Chine. Et donc euh, nous ne savions pas par quel chemin il fallait passer pour arriver à Pékin. Parce que nous sommes d'abord rendus à Paris pour voir quel chemin prendre. Il n'y avait pas de chemin. Ensuite, en Suisse à Zurich, et, et il n'y avait pas de chemin. Mais et donc de Zurich, et nous sommes revenus en Afrique au Caire, et du Caire, nous sommes allés au Pakistan à Karachi, de Karachi à Dhaka à l'époque, de Bangladesh aujourd'hui et de Dakar à Shanghai et de Shanghai à Pékin. Ce voyage a duré trois jours. C'est donc, un, à titre personnel, un moment important pour moi. C'est très émouvant pour moi de vivre un tel moment qui symbolise la relation entre la Chine et le Congo. 其实我们帮您算了一下，包括一九六四年您第一次访华到现在，您一共是去访华了十六次，前后跨度六十多年的时间。想请您分享一下这六十年间您看到了中国什么样的发展和变化？J'ai pu suivre ce processus à travers voyages en Chine. J'ai donc vu la Chine. dans ce développement spectaculaire que tout le monde, le monde reconnaît, même les adversaires, même les adversaires de la Chine reconnaissent qu'il y a eu un développement spectaculaire en Chine, que le peuple congolais salue comme le résultat d'une longue lutte. 今年一月份，您在会见中国驻刚果（部大使的时候呢，大使女士送给您一本《习近平谈治国理政》第四卷法语版。在您心目中，习近平主席是一位什么样的领导人？Le président Xi Jinping comme comme un grand leader, un leader, un leader uh, uh, doit avoir、uh, d'abord une vision, et le président、uh, Xi Jinping a une vision,、uh, pas seulement Euh, pour euh, le peuple chinois, mais euh, une vision pour euh, les rapports et que et la Chine et, et doit avoir avec euh, le reste du monde. Et donc, euh, le, le président Xi Jinping a, a cette vision-là que nous admirons, que nous approuvons. Et cela est, à, à mon avis, lumineux et 我们知道啊，您非常重视刚果盆地的热带雨林保护。您也曾经说过，呃，森林是数百万人的粮仓，保护好森林资源，也就是在为子孙后代造福。这和习近平主席一直强调的“绿水青山就是金山银山”的理念相互契合。Pour l'avenir de l'humanité, nous accordons une grande importance à cette question de l'environnement, de la gestion des ressources des forêts. de l'eau. Nous nous battons ici dans le cadre du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo pour réaliser une gestion responsable des ressources de ce grand bassin qui contribue à l'équilibre du monde. Donc, je salue aussi cette vision. 总统先生，我想给您看一件模型，我想您对它非常熟悉哈。这是布拉柴维尔斜拉桥，也是当地的地标性建筑，这也是由中国企业承建的。其实今年呢是习近平主席提出共建“一带一路”倡议的第十一年。那刚果部作为重要的合作伙伴和积极的参与方，您认为共建“一带一路”？ Oui, vous montrez un projet qui est tout un symbole. Et effectivement, nous l'avons euh, baptisé Pont du 15 août pour montrer le lien qu'il y a entre l'indépendance de notre pays et, et, et le progrès, et la volonté que nous avons eue de construire notre pays. Mais avec la Chine, nous avons agi dans beaucoup de secteurs. On a construit d'autres routes. On a construit le barrage hydroélectrique interventionnel dans le secteur de la santé et dans l'agriculture, l'élevage et dans beaucoup de secteurs de la ceinture et la route. Nous, en Afrique, j'ai discuté avec euh, euh, les chefs d'État concernés et nous avons, dans le cadre de ces projets, la ceinture, la route, le projet de relier l'océan Indien à l'océan Atlantique par la route. Et cette route de Mombasa va passer par l'Ouganda avec des bretelles au Rwanda pour atteindre le fleuve Congo à Kisangani, où il y aura la construction d'un port, un port important sur le fleuve Congo, la navigation le long du fleuve Congo jusqu'à Brazzaville, Kishasa et à Brazzaville, et, et à Kishasa il y aura la construction d'un grand port. Avec le pont route-rail sur le fleuve Congo et la route dont je parlais de Brazzaville à Pointe-Noire. Voilà que nous aurons relié l'océan Indien à l'océan Atlantique. Ce n'est pas une vue de l'esprit et cela est en cours. Et nous pensons que les infrastructures de ce genre et, et, et l'Afrique doit les avoir pour lancer le projet la zone de libre-échange continentale, la ZLECAF, lancer ce projet. La ceinture, la route, voyez, voyez C'est tout cela. Voilà pourquoi j'ai dit que le, le président Xi Jinping a la vision. 这个工程建设过程中有关您的照片，您看看，这是您多次到工程现场去进行，呃视察的一些情况，是不是很多情景现在还历历在目？Et je me suis rendu à, à plusieurs reprises sur le chantier et je vous parle du franchissement et des de Mayombes. Et ce n'était pas une entreprise facile. Parce que le, le Congo a toujours rêvé de cette route depuis l'indépendance. Et j'ai pu rouler sur cette route depuis le palais ici et jusqu'à Pointe-Noire. Je l'ai déjà euh, suivi et je me suis arrêté dans divers, euh, différentes villes le long du parcours. Donc c'était pour moi très émouvant. Il y a plusieurs... Euh, 当地民众啊，把这条公路称为是希望之路、致富之路，还有繁荣之路。我们听到，在这条路上运输的司机说，以前走完全程大约需要七天的时间，那现在呢，只要七个多小时就可以走完了。国家一号公路还带动了沿线村镇的发展。 Si vous pouviez interviewer au hasard eh, quelques Congolais eh, qui, à Brazzaville, à Pointe-Noire, et ceux qui vivent le long de Londres, euh, cette route, ils vous feraient le vrai témoignage. Oui, Et c'est, à mon avis, une, une vraie révolution. Qui produit dans le pays avec la cette route. The Republic of Congo is located in Central Western Africa, with the equator crossing through its middle. It borders the Central African Republic and Cameroon to the north, the Democratic Republic of the Congo and Angola to the southeast, Gabon to the west, and has its southwest coastline along the Atlantic Ocean stretching about 156 kilometers. The number one national highway of the Republic of Congo spans 536 kilometers, linking the largest city of Brazzaville, the second largest city of Pointe Noire, the third largest city of Dulisi, and several other important towns along its route. 很很方便的，他们都会运运一些什么样的东西出来？哦，就是水果呀、啊，还有我们这边本地说这个比较多是，呃，我们说嘛，叫些木薯。木薯。哦，对哦。都是一些当地的农产品、啊哦、对。Since its official operation in March 2019, the annual vehicle traffic on Number One National Highway of the Republic of Congo has increased from 2.01 million vehicles in 2019. To 3.37 million vehicles in 2023, a nearly 70% growth, with a total of 14.1 million vehicles served. Currently, the population living around the highway has reached over 3 million, accounting for more than 65% of the total population of the Republic of Congo. 今年开始，将会有三十个非洲国家开始落实自贸协定。您觉得自贸区对于非洲国家的经济发展有着什么样的促进作用 b o、oh, uh, je l'ai dit tout à l'heure, je vais encore le, le redire. La mise en œuvre、e、la ZLECA repose sur la réalisation des infrastructures de base,、uh, notamment les infrastructures de transport et, et aussi les infrastructures d'électricité. S'il n'y a pas en Afrique de construction de chemins de fer, de routes, de ports, d'aéroports, s'il n'y a pas en Afrique une production suffisante d'électricité, aujourd'hui, il y a en Afrique près de 600 millions, 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et s'il n'y a pas euh, ces préalables, il sera euh, difficile de réaliser avec succès la ZLECAF. Donc, il y a la réalisation d'infrastructures, il y a actuellement le développement de la production et les échanges et avec euh, le reste du monde, les échanges. Et ainsi, le projet de la ceinture et la route va favoriser les échanges et, et à l'intérieur de l'Afrique à travers la ZLCAF, mais les échanges aussi avec le reste du monde et les échanges avec la Chine. Néocolonialisme, il s'agit de cette expression-là, c'est-à-dire le nouveau colonialisme. Bon, pour qu'il y ait un nouveau colonialisme, il faut qu'il y ait eu un ancien colonialisme. J'utilise la, une langue qui n'est pas la mienne. La Chine euh, n'a jamais eu de colonie en Afrique. Bon, comment parler de néocolonialisme en ce qui concerne la Chine? La Chine n'a pas de colonies en Afrique. Il est seulement curieux de voir que ce sont euh, ceux-là même qui ont colonisé l'Afrique et qui, après la colonisation, ont installé le néocolonialisme et qui ont soutenu l'apartheid en Afrique. Il est seulement étonnant d'entendre de, euh, cela parler. Je ne sais pas si on peut en dire euh, davantage. Le colonialisme, c'est eux. L'esclavage Les, en Afrique, c'est eux. Le néocolonialisme aussi. L'exploitation euh, des ressources euh, naturelles en Afrique aussi. Peut-être qu'il faut que l'on soit un jour face à face pour débattre de cette question. Je, je n'en dis pas plus. 您曾经在多个场合说过，我们的国家需要和平与稳定。当今世界正经历百年未有之大变局，世界进入了变革动荡期。您如何看待现在世界局势的变化？习近平主席提出了三大倡议，包括全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。这三大倡议对于当下的世界有什么样的现实意义？我觉 Et, et à la croisée des chemins, il y a des violences partout et de nombreux bouleversements. Ici, euh, au Congo, nous efforçons euh, de faire en sorte que le peuple vive en paix et travaille en paix. Et, mais nous ne pouvons pas être un îlot comme ça, et de paix dans un monde en ébullition. Et voilà pourquoi nous nous intéressons euh, euh, aux problèmes de paix et de sécurité euh, euh, partout. Euh, le Congo est présent. Euh, le Congo est présent euh, au niveau du groupe euh, africain qui et veut proposer sa médiation au conflit entre euh, la Russie et l'Ukraine. Dans le passé, le Congo a joué un rôle important. Euh, dans le cadre de la libération de l'Afrique euh, euh, australe. Je crois que les initiatives du président Xi Jinping sont pertinentes et euh, vont dans ce sens. Il faut que nous envisageons la gouvernance mondiale autrement. Et sinon, on constate que nous nous sommes enlisés.

à partir de la réunion que nous aurons cette année en Chine. Nous voulons profiter de la longue expérience que nous avons eue dans la coopération avec la Chine pour que, ensemble, nous allions de l'avant. The Republic of Congo is graced with year-round lush greenery and a hot humid climate, naturally yielding an abundance of tropical crops. This bounty has shaped unique dietary habits among the locals. Cassava serves as the main staple food, and its leaves are used to make the delicious sakasaka. The ample sunlight and fertile soil also contribute to the production of succulent and sweet fruits, such as pineapple, papaya, mango, plantain, and avocado. Moreover, the dense tropical rainforests, vast wetlands, numerous rivers, and lakes provide habitats for a variety of wildlife, including gorillas, cheetahs, and crocodiles. The rich biodiversity and unique cultural attractions are drawing an increasing number of tourists to explore. We arrived at Gangwok Pro and found natural scenery here is very beautiful. However, Gangwok Pro has a very deep cultural rich culture, such as the English and dance. English and the BGU. Now, you can see the tourist's tourists' tourists' Il y a toute une richesse. Chaque département du, euh, du Congo est, tout, est une mine d'or de culture. Hein. Vous voyez et les, les chants, les danses. Dans le Cuilo, euh, le Nyari, la Sangha, les Écuvelle, la c'est une mine d'or de diversité euh, culturelle. De, de chants, de dents, de sculptures. Et le Congo mérite d'être visité en entier. Tout le Congo. C'est une richesse extraordinaire. Que puis-je proposer bon, je, je propose déjà la, la rumba. Hein? La rumba. La rumba. Elle est inscrite comme patrimoine à l'UNESCO. La rumba. La beauté du pays. Et je propose aux Chinois de, de partir de Pointe Noire jusqu'à Brazzaville par la route, et ensuite de, de prendre le bateau à, à Brazzaville, de naviguer le long du fleuve Congo, soit le long de la Sangha jusqu'à Ouesso, ou le long de l'Ubangi jusqu'à Betou, puis à partir de là, avoir... Euh, les, les zones, les, les réserves immenses de faune. C'est merveilleux tout ça. Donc, j'invite les Chinois, les touristes chinois, il ne faut pas qu'ils aillent seulement voir la tour Eiffel. Il hein? faut qu'ils viennent. Voilà. J'ai indiqué un itinéraire. C'est moi qui vous remercie. C'est vous qui avez fait le plus difficile partir de, de Pékin jusqu'ici. Vous avez fait le plus difficile, je n'ai fait que parler quelques minutes. C'est moi qui vous remercie. Le peuple chinois est un grand peuple avec une civilisation millénaire. Il a réalisé un développement spectaculaire. Il a établi des liens d'amitié. During the interview, President Denise Tsu experience of visiting China in 1964 left a deep impression on me. He described himself as a witness to China's prosperity. Since the establishment of diplomatic relations, the two countries and their people have shared common aspiration in the pursuit of prosperity, development, and happiness. Thank you so much for watching the episode of Leaders Talk. I'm He Yanke. I will see you next time.